Vous allez sur la photo? Non. On est sur un territoire, on est sur la vidéo. Et c'est un milieu karstique, donc une roche calcaire poreuse avec plein de fissures, plein de trous, plein d'avennes, dont une avenne, qui est située en très proximité de certaines installations, en plein centre de la centrale, donc il peut s'effondrer à tout moment, par exemple. Et en fait, effectivement, la SATP dans son dossier dit qu'il n'y a pas de risque sur les eaux souterraines puisqu'elle n'utilise pas d'eau. Mais en fait, le problème, ce n'est pas l'eau qu'elle utilise, c'est les eaux de ruissellement. Avec tout le bitume qu'il y a autour, tout le ruissellement de toutes les productions chimiques, toxiques et autres de la zone industrielle qui s'infiltrent dans les terres et arrivent au niveau de l'Ardèche, puisque Saint-Didier-sous-Aubenas est juste en contrebas. Et ça arrive au niveau de l'Ardèche, avec la zone, la source du Pontet à Vaugluet. Mais aujourd'hui, là vous êtes devant la communauté de communes d'Aubenas-Valls. Qu'est-ce que vous voulez dire aux élus? C'est quoi le message que vous faites parler aux élus qui ne décident pas de la centrale ou pas, hein? C'est pas eux qui décident. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors, effectivement, on a créé l'association et on a engagé ce recours au tribunal administratif parce qu'on a voulu aussi lancer un débat sur la question de l'artificialisation des sols. Quand on voit l'urbanisation croissante qu'il y a sur le bassin d'Aubenas, avec une bétonisation et une bitumisation croissante, et on considère que cette troisième centrale va encore accroître ce processus, et nous on veut engager ce débat ici, un débat citoyen mais aussi avec les élus, on veut les interpeller. D'accord. Pour limiter cette imperméabilisation des sols. C'est ça l'idée. C'est arrêter d'artificialiser les sols, puisque on sait très bien qu'en plus ce sont souvent les terres les plus fertiles qui sont urbanisées, hein, dans les plaines, dans les vallées. Et donc il y a un processus qui est engagé, un processus d'urbanisation qui est engagé depuis plusieurs décennies et sur lequel il faudrait vraiment qu'il y ait un débat citoyen par rapport à ça, parce que ça a des conséquences aussi, y compris au niveau du climat. On parle beaucoup du climat aujourd'hui. Plus on artificialise les sols, plus on réchauffe la planète. Et j'ajouterais que du coup, lors de la réunion publique, on avait invité un hydrogéologue, Thierry Marchand, qui avait bien exposé la situation géologique de la zone industrielle et qui disait que sur la ville d'Yeu notamment, ainsi que d'autres communes, en bétonnant tout devant les maisons, la moindre petite route, ça fait que quand il y a des épisodes cévenols énormes, l'eau doit sortir à un moment donné de la terre. Elle s'infiltre, à un moment donné elle ressort, et elle ne peut pas ressortir là où il y a le bitume, elle va ressortir là où il y a de la terre parce qu'elle n'a pas assez d'endroits pour ressortir. Autre chose aussi concernant la troisième centrale à bitume à la ville d'Yeu, hein, il y a déjà une centrale à chaud, une centrale à froid, une deuxième centrale à chaud. On peut vraiment se poser la question en Sud-Ardèche de cette utilité. Donc sachant que la première usine à chaud a été créée dans les années 80. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à la supprimer pour ensuite éventuellement remettre une autre. Non, mais le problème, c'est que c'est la même chose.